kaye moko ata na passe na ye ya yeso aso mona ata mo zoma ta na passe amen unda na so boko ya koya hey soka zara kina zamba la pende wa ngali nga mama soka boye na marati hey ngana sala nini Jésus-Christ est compatissant. Et c'est qui ça peut d'avoir? T'as la nègre moutazon gouluma. T'as la nègre moutazon gouluma. Amen. Ma placé. 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 Amen. Placé. Amen. Placé. Amen. Yata. Quand t'as l'ambassoua, laisse l'ambassoua, mon nom. Amen. Lancez. Amen. Lancez. Amen. Lancez. Amen. Ok. Et ça dit combien des années, maman? Depuis 2016, il a février. Il est là. Il s'est né dans l'église. Depuis 2016. Et là, on te donne ça à l'élève de Zapoui. Amen. Nous avons comme esprit, oh, il y a une petite quand on comme ma esprit, nous avons ma Yabishima. Amen. Amen. Et après, pour être dans le bouquin, on a malembe, malembe. Qui ça va? Qui ça va? Malembe, malembe. Malembe, maman. Attention, Nico, joie. Ah, les routes qui sont dans la mobile. Les ballons qui sont dans la montée, va bandir l'émission à prophète Ezekiel. Ah, nous avons un raï. Est-ce qu'il y a un coma? Hein? Pour le petit gars, on a été dans le monde pour qu'il n'y ait pas de tout, 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 tout. Ah, il y a un ton, il y a un garçon, il y a un massacre, il y a un bisou, il y a un autre. A bombé, il y a un coma, il y a un coma, il y a un fan de signal, il y a un coso. Il y a un kit à garçon, il y a un simbi, il y a un. Aïe, au titanga, allez, ma frère, n'a dit sur l'église, le roi va nous quitter à Boye, à 6 000 pour la terrasse, à on a 4 ça. Il a vu à Kamale, Malé, Mélangolo, Anzam. Donc, on a fait ça le fils de Wan. On a fait ça le Zambé à prophète Ezekiel, Zambé à Pishima, Zambé à la boutique au Boye. Amen. Je dis aux opiques. Amen. Aux opiques. Amen. Aux opiques. Amen. Donc, avant de lui parler, aux opiques. Amen. Mimi, ça va se monnayer. Pardonne-le ce matin. Mimi, c'est la tombe, non? Ce qu'elle a fait devant toi. Oh, salut. Si vous serez en Jésus, pour le Yesu, pardonne ça. Mimi, c'est un mot. Écrit, depuis que ça, ta fille, moi, la moitié des matins, la tombe, tu m'avais donné la commission. Et c'est que tu as de prier pour les malades. La personne n'a pas dit, Seigneur Jésus, colonies, guéris cette femme, dis que ça m'a tué ce matin. Donne-moi le nom, dis que ça, enlève cette maladie. Le bras de ton œil, pour ta gloire, bon acquis, bon acquis. Cette maladie, bam! On est éteigné! Bam! Éteigné! Bam! Éteigné! Bam! Pour la baptiste, la
Pharmacie à 4 à n'a pas dit quoi introduire et paix sa fille à l'ocolo. Amen. Le collège va souple. Amen. Le collège va vivre. Amen. Attends pour la cigarette bien. Amen. Allez, et paix sa fille à l'ocolo. Amen. Et paix sa fille à l'ocolo. Amen. Et paix sa fille à l'ocolo. Amen. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Raphaël. N'a su médicament. Amen. Placé. Ange Raphaël, merci parce que nous avons travaillé. Amen. À tout le monde qui te salue. Amen. Amen. Amen.
Jésus même dans cette vie. J'ai appelé l'aigle de l'ange Raphaël. C'est mon ami. Et un jour il m'était à Paris. J'étais dans le salon. Il m'a dit, Ézéchiel, je suis envoyé pour travailler avec toi. Père, Tata, quel ange, moi je. De la commission. Oui, toi qui étais sorti avec une main, l'autre m'imaginait le boko. Avec une lettre, Namokana, tu m'avais dit, oui, je suis envoyé par Dieu, la tournée de Pazabé, pour t'annoncer, pris seulement pour l'eau, ça va être pour la maille, et l'eau deviendra demain, un miracle, dis-moi, devant n'importe quelle maladie, au nom de Jésus, comprenez Jésus, toi l'eau, le maille, père te valait, on dit ça valait une eau, père te valait. Vous me montrez là-yo. Père de valet. Vous me montrez là-yo. Deviens l'eau. Comme un maïs surnaturel. L'eau de la guérison. Maïs le pico. L'eau qui va cicatriser ses plaies. Maïs le cause à poteau. Par le nom de Jésus. La combo de Jésus. À partir d'aujourd'hui, on a cette plaie cicatrise. Recevez, au nom de Jésus. Merci Seigneur. La fille, la vienne. Amen. Touche, Simba. Ferme tes yeux fort. Quand on va mettre sur ma cassie. Fica là. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, j'ai béni la présence de l'homme de Dieu. La famille Bozosama, Yabotazame, les prophètes Elvin. Moussakoli Elvin. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. 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 Le 4 juillet au 29 juillet. Le 4 juillet, qui nous le 29 juillet. Nous allons palper la main de Dieu. Amen. Amen. Ne manquez pas. Invitez vos amis. Invitez vos camarades. Invitez vos collègues. Amen. Amen. Participons dans ces prières. Pendant un mois dans la présence de Dieu. Écoutez, la présence de Dieu. Demeurer longtemps dans la présence de Dieu, c'est plus important que de demeurer avec tes familles. Alléluia. Amen. Dieu nous parle aussi de la démonstration de la puissance. La démonstration de la puissance. C'est ça le sujet de ce matin. Amen. Amen. La démonstration de la puissance. Merci Seigneur. Bato di kolo. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est l'apôtre. Il a dit Thomas. Un grand apôtre. Thomas Monene. Apôtre Paul. Thomas Paul. Amen. Amen. Il nous dit. Ma parole. Ma prédication ne repose pas sur les discours. Non, c'est la sagesse. Cela veut dire, je ne prêche pas avec une sagesse humaine. Je ne fais pas les choses selon mon désir. Amen. Amen. Je n'agis pas selon mes pensées. Mais il dit, je fais des choses avec la conduite de l'esprit. Cela n'est pas limité là. À ceux qui en ont. Et une démonstration. Amen. 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 Je ne fais pas des choses. Selon la chair. Je ne fais pas des choses. C'est là mon désir.
je ne fais pas les choses selon mes pensées, mais je fais des choses avec une démonstration de puissance. Alléluia. Amen. Quelque part, apôtre Thomas était conduit par l'onction, par le Saint-Esprit. Mais maman qui n'est pas quoi lui-même. Il ne se comportait pas selon son intellectualisme. Il se comporte selon la conduite du Saint-Esprit. Selon ce que le Saint-Esprit lui indiquait. Alléluia. Amen. Il se comportait selon la conduite de Dieu. Il faisait des choses selon ce qu'il voyait vers Dieu. Écoutez. Yoka. Nous sommes dans un moment où beaucoup de gens tournent leur regard vers la chair. Tu as tant de bénéfices à ton côté, ça. Mais tu es là, bango, côté de toi. Ils sont là pour satisfaire que les désirs de la chair. Bah, ça n'est pas pour la poste, mais ça n'est pas pour ça, Zoto. Mais non, les désirs de l'Esprit Saint. Parce que ma poste, ça, elle m'a dit, mon beaucoup de gens écoutent que ce que la chair leur dit. Mais il ne veut pas écouter l'Esprit. Être soumis à l'Esprit. Oh, le monde que nous vivons, c'est un monde créé par l'Esprit. Avant que le monde terrestre vive, il y avait un monde spirituel. Le monde physique a une fin. Mais le monde spirituel n'a pas de fin. C'est pour cela que la Bible avait raison de nous dire, vivez selon l'Esprit. N'accomplis pas les œuvres de la chair. Aimez les œuvres de l'Esprit. Et apôtre Paul, Thomas Paul, dans son époque, il avait aussi vu des pasteurs, des prédicateurs qui prêchaient que la chair, les prédications sans puissance. Il prêchait, il faisait que des discours. Moïse a dit, Ézéchiel a dit. Esaïe a dit, Jérémie a dit, mais il ne démontrait pas la puissance que Jérémie en a fait. Parce que maintenant, vous êtes dit, oui, Jérémie a sali. Alléluia. Amen. Je vais tirer sur ma boca. Écoutez-moi. Il ne faut pas être un chrétien conduit par les œuvres de la chair. Vous êtes mon Christ, mais même mina, vous savez, vos autres. Il faut être un chrétien conduit par les œuvres de l'Esprit. Ne laisse pas que le sentiment de la chair te conduise. Laissez que le Saint-Esprit te conduise. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Et on ne limite pas Dieu. On ne limite pas le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit fait le faire. Il le fera. Il n'a sans limite. Mais la chair a des limites. Écoutez, la chair a des limites. Mais non l'esprit. Il vivait dans de bonnes conditions. Il s'est au nombre de 7 ans. Mais le lit tishibik était seul. Parce que l'île tishibik était un prophète qui écoutait que Dieu. Cela était une mauvaise odeur devant Dieu. Et le prophète Élie écoutait que la foi de Dieu. Il ne regardait pas comme Jézabel était la première dame, donc la femme du roi. Jézabel a dit, moi c'est mon côté. Quel que soit ce qu'elle fait, je vais le ramener à la parole. Amen. Je vais lui dire. Passa. La Bible interdit ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était un prophète conduit par l'Esprit. Mais les sept prophètes, ce sont des prophètes qui étaient conduits par la chair. Ils écoutaient que la voix de leur maman, Jézabel. Ils ne pouvaient pas ramener
Jézabel a la parole. Mais le prophète était connu par l'esprit. Parce que comme il était connu par l'esprit. Ah, mais même il a prophétisé à Jézabel. Il a soutenu que ça pour la Jézabel. Et il a condamné Jézabel. Elle dit qu'on la Jézabel. Pourquoi ça? Parce qu'il était un homme rempli par l'esprit, connu par l'esprit. Toi qui m'as dit que moi, amen. Amen. Un homme qui est rempli par l'esprit, connu par l'esprit. Il est mal compris auprès de ceux-là qui n'ont pas conduit par l'esprit. Ah, tous ceux-là qui m'appellent à Zangi, comme maman à Molimo. Même Jésus a tapé Yesu. Était mal compris. À tous ceux-là qui étaient épais bateau. Parce qu'il était conduit par l'esprit. Toi, tu y es à ta maman à Molimo. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Molimo, ça va poser un mot. Il n'y a pas l'égalité. Et là, tu as il y a la différence. L'homme qui est connu par l'esprit voit des choses spirituelles. Mais l'homme qui est connu par la chair voit des choses selon la chair. Aujourd'hui, s'il n'y a pas trop de puissance dans ces 21e siècle, c'est parce que beaucoup des hommes de Dieu sont conduits par la chair. Ce que vous voulez dire, c'est le 21e siècle. Mais bien là, parce que j'avais pas mis la poste. Ils sont là en train de limiter que le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne peut pas agir jusqu'à ce niveau. S'il dépasse ce niveau, c'est de la magie. Aujourd'hui, nous faisons que les propagandes de Satan. Ah, tu vois comme il a fait. Il a fait des miracles terribles. Ah, ça, comme ce moment, comme les gens tombaient, bah, les gens criaient, bah, ah, c'est de la magie. Ah, c'est qui, si? Alléluia. Amen. C'est de la magie. Et là, qui, si? Est-ce que cela est écrit où? Est-ce que Jésus en a fait? Yes, mais regardez ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus en a fait? Yes, ça l'est. Depuis il tombe. Amen. Amen. Ah, c'est de la magie. Comme un prophète peut tuer quelqu'un sur la chair et puis il le ressuscite. Amen. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire que prophète, ça c'est de la magie. Et bien là, tu n'as pas encore vu ça, ça va être ici. Comment tu peux tuer une personne sur la chair et puis tu le ressuscites? Comment tu peux tuer une personne sur la chair et puis tu le ressuscites? Ça va, puis on aussi. C'est de la magie. Et d'aller ici. Bon. Donc, c'est Jésus-Christ n'a pas de puissance pour tuer et puis ressusciter. Et c'est Yesu, Adam, qui a dit que tu as fait ça. Donc Jésus est sans puissance alors. Mais à quoi sert le Dieu des miracles que nous appelons chaque fois le Dieu des miracles? Au moment où nous doutons à sa manifestation actuelle. N'est-ce pas vrai, à l'ancien temps il a résisté les morts? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, s'il y a trop de doutes sur la terre, s'il n'y a pas trop de réveils, c'est parce que beaucoup de gens doutent à la manifestation, à la démonstration de l'esprit. Ce que Mme Mugesa est qui est pas de ça t'aimer. La maman il s'amie à Molimo. Cela est écrit où? Et comment ma wapi? Comme un prophète peut dire à l'église, venez, je vais vous donner l'eau salée. L'eau salée est écrit où dans la Bible? Amen. 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 Est-ce que Jésus en a fait? Yes, à Salembo. Alléluia. Amen. À quoi sert l'eau salée par rapport au mauvais esprit? Mouchoir du prophète. Mouchoir à Mosakoli. Il donne à quelqu'un. Il y a Pessi Moto. Et puis l'homme prend le mouchoir, il tombe. Moto dit mouchoir à quoi? Est-ce que cela est écrit où? Il y a un mot pour maman Wapi.
beaucoup de questions dans ces temps de la fin. Écoutez-moi, on ne reconnaît pas un faux prophète par les miracles. Non. Les diables aussi font les miracles et Jésus aussi fait les miracles. On reconnaît un faux prophète par rapport à son message qu'il donne. Et moi je vous prêche la vérité. J'aimerais que cette église croit à la globalité de la puissance de Jésus. Ne doutez pas. Si Dieu vous dit, vous allez marcher sur le fleuve. Allons marcher. Écoutons l'esprit. Si Dieu nous dit, nous allons disparaître. Acceptez, nous allons disparaître. Ne doutez pas. Si Dieu vous dit, nous allons monter sans la force du présentier. Acceptons. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'un chrétien peut disparaître? Hein? Est-ce que vous voyez que chrétien peut disparaître? Est-ce que vous en dites mango? Amen. Amen. C'est la moitié. Amen. Allez-moi. Babouane. Placé. Merci Jésus. Amen. Amen. Il y avait un diacre. Il y a un diacre, mon corps. Allez-moi qui la Bible. Amen. 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 Il s'appelle Philippe. Comme vous voyez, Philippe. Il n'est pas même un pasteur. Il y a un diacre de mon cabité. C'est un diacre de l'église. Diacre de Donga. Il a fait une disparition. Mais aujourd'hui, c'est quoi les lois? Ce qui prophète de Zéguel a dit, moi, Mimi Kuna, par l'amitié, il y a des satans à la personne. Il y a des satans. Mais vous connaissez ton roman? Il y a des Jésus en personne. Amen. C'est comme si que les qui avaient été placés au premier rang. Le roi, il y a un massacre à la tête de Zéguel. Mais où est la puissance de Jésus? Où est Jésus? Pourquoi faisons-nous les propagandes du diable? Au moment où Jésus, il est le créateur de Satan. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Chapitre 8. Verset 39. Pour la meilleure compréhension, il faut lire dans le verset 26 jusqu'au 40. Pour la Bible, madame, on t'a dit, c'est qui n'en a 40. Il y avait un homme au nom de Philippe et il était diacre. J'ai dit, comme il est Philippe, c'est qui diacre. Il a rencontré l'unique éthiopien. Il lui a parlé, il lui a expliqué ce que l'éthiopien n'arrivait pas à lire dans la livre, dans les livres plutôt d'Esaïe. Et puis, il lui a amené vers les eaux de baptême. Et il lui a baptisé. A baptisé. Et après, il a disparu. Il a disparu. La Bible dit, quand il lui fit sortir de l'eau, écoutez, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'unique éthiopien ne le vit plus. Il est apparu dans les Césars. N'est-ce pas ça la disparition? Après avoir
avoir baptisé l'unique Éthiopien, il a fait la disparition. Merci. Mais nous combattons les Éthiopiens à mon corps, Père, bien connu moi. Hein? Il est à Paris au César. Ah bien connu moi, à César. Amen. Amen. N'est pas ça la disparition. Il en a été connu moi. Cela veut dire que. Et que là-bas. Nous limitons Dieu. Le truc qui t'a jamais. Nous limitons le Saint-Esprit. Le truc c'est connu moi. Laissons le Saint-Esprit faire ses choses selon son désir. Dis comment monsieur t'as fait ma campagne. Laissons Dieu agir selon son vouloir. Dis qu'à jamais ça avance ma poste. Ne limitez pas Dieu. Pour ceux qui sont embêtés. Un chrétien développé, il peut disparaître. Mon Christ a fini sa vie à vous qui peut connu moi. Amen. Dans la putain n'a pas coulé là. La intendance. Voilà notre foot là. Alléluia. Amen. Si Dieu m'envoie mon pied. Et là, quand va 0-1, on est à la radio. Voilà, on a ça la moutou gâté. On a ça la transport passe. Alléluia. Amen. Deux ans, la bataille 5-7. La kitina. On a mis 0-1-15. Donc, on a un pétrole, la qui est pas n'a pas de la 0R15. Mon Lili, quand ça va plus de 20 personnes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu écoutes les enfants, la vie, ah ouais, et ça sous les camoufles, et qui m'en parle. Parce que, tu as une tendance. Ce que tu as dit, c'est que tu as une tendance. 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 Alléluia. Amen. Dami, ah oui, comme problème. Maman va peut-être vous faire te longa awa. Alléluia. Amen. Dans l'obité. Ah oui, c'est dans la forme, moussou. Moussou. Amen. Amen. Moussou m'a dit, forme, il y a Jésus et Satan. Il y a Jésus. Amen. Écoutez, Jésus est capable de te faire la défense n'importe quel autre côté. Alléluia. Il est capable de te défendre dans n'importe quelle situation. Amen. Aujourd'hui, ma case est Samson, c'est logique. Et vous allez ah, prophétique, on va venir dans l'église. Amen. 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 Bakulu na nanga bakima na ibite makamba munaka. Amen. Zamba. Amen. Amen. Betia Yesu. Alleluia. Betia Yesu maboko. Betia maboko. Paul dit, je ne suis pas là pour prêcher que des prédications avec des sagesse. Pour la vie, c'était pour côté à Kaka, à Matia Moko, à Bonne Chambre, pour faire une démonstration. Et là, pour la vie, c'est mon Isaac. L'évangile, Sango, est différent avec. Et là, pour Kesseni. La parole, Naliloba, est différent. Et là, pour Kesseni. Avec les enseignements, les mystères. Na Malako, Péba, Jésus a dit dans Marc chapitre 16. Yes, Rabbi, dans Marc chapitre 16. Lisons Marc chapitre 16. Te bete le su maboko, bete le su Christ maboko. Il a dit, verset 15. Il a dit, allez partout le monde et prêchez. Ainsi, bamboko, yamboko, yamboko, qui a sango. La bonne nouvelle à toute la création. Sango est là, mon ami, qui est là, mon yasso. Amen. Amen. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et à sango est là, mon ami, qui est là, mon yasso. La bonne nouvelle à toute la création. Sangola me dit que la monyoso. La bonne nouvelle c'est quoi? Sangola mesani. Amen. Amen. La bonne nouvelle c'est l'évangélisation. Sangola mesani comprend ça sango. Amen. Évangélisation ce ne sont pas les enseignements. Ne pensez pas que je voyage en France, j'arrive en France, la porte de l'église à Batavano Pierre ne va doctrine. C'est pour la ta pour la thé. Frère, au tchat où j'enlève thé. Pour la yébi, au pasteur à l'église, voilà. Thé. Amen. N'a pour y'a pour évangéliser. Amen. Amen. Évangélisation, il y a pour l'oba, n'a pour y'a pour démonter puissance. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui passe à l'oubi, awa, n'a pas de magaboui. Parce que chaque église a sa doctrine. Mais dans la saison, il y a pour dire merci. Attendez. N'a pour y'a 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 pour y
Alléluia. Amen. Mais si je voyage là, c'est pour que vous nous démontrez la pluie. Et d'après la constat, ça débrouilla. Et il a dit, allez partout dans le monde. Faire la prêcher la bonne nouvelle. Autrement dit, démontrer la puissance. Talisanguya. Et après, celui qui croira et qui sera baptisé, il aura aussi la même puissance. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Alléluia. Cela veut dire ils feront des miracles. L'évangélisation, c'est de démontrer la puissance. Il y a quatre facettes. Pour globaliser les messages que Jésus-Christ nous a laissés, on commence une église par l'évangélisation. Par la puissance. Amen. Et la puissance, ce sont des appâts qui attirent toute espèce. Et après les prédications. Les prédications sont là pour la sanctification, sanctifier l'église. Et après, les enseignements. Les enseignements là pour endoctriner l'église. Et après, prêcher le mystère. Les mystères, c'est là où on vous apprend les 12 mondes angéliques. C'est là où on vous apprend qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ceci, pour disparaître, pour faire cela. Maintenant, chez nous, les chrétiens, non. Pas l'évangélisation, pas les mystères. Les enseignements et les prédications, là nous disons Amen. Quel que soit le chômage, quel que soit les possessions, je t'assure, si vous croyez, il le fera le même être dans votre vie. Alléluia. Il va changer ta vie. Il va t'élever. Il a le Dieu sans mesure. Amen. Il y a un seul Dieu où la terre ne supportait pas. Il est enterré. Où est Bouddha? Wapi Bouddha. Il est enterré. Bakundaye. Où est Krishna? Wapi Krishna. Il est enterré. Bakundaye. Mais Jésus. Parce que Jésus. 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 Il n'est pas enterré. Il Bakundaye. Cet homme est vide. Le Bouddha est enterré. Cet homme est vide. Le Bouddha est enterré. Il n'y a personne là. Et ça, moi, je suis la tatouana. M'a placé. Amen. Cet homme est vide. Le Bouddha est enterré. Pourquoi avoir peur? Pourquoi trembloter? Votre père, il est plus que puissant. Votre père, il est plus que tout. Alléluia. Parce que selon la médecine, sa femme a dépassé l'âge de ménopause. Moi, c'est Alexis déjà, moi, je ménopause.
Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Il a vu trois hommes. Il était sous les chaînes de Mambré. Il a vu trois hommes passer. Il est arrivé, il s'est agenoué. Devant une seule personne. Mais il y avait trois personnes. Mais lui s'est agenoué devant une seule personne. Et lui a appelé mon Seigneur. C'était Elohim. Elohim dans la chair humaine. Amen. Abiyaka, ne passez pas ma maison. Venez. Il a préparé la nourriture. Dieu a mangé la nourriture. Zamalie bilé. Une nourriture fabriquée par l'homme. Dieu a mangé. C'était la foi qui a tiré Dieu. Abraham. Si Abraham n'avait pas la foi, Dieu allait passer. Dieu allait tuer Sodome et Gomorrhe. Mais la foi d'Abraham appelle Dieu enseigne. C'est la foi qui appelle le miracle. Si vous avez la foi, si vous croyez, vous ne doutez pas, vous allez voir, vos vies vont changer. Votre maladie disparaîtra. Le problème changera. La femme, parce que moi, comme elle est une être faible, la femme a douté. Elle a ri. Et Dieu lui dit, Abraham, pourquoi ta femme a ri dans son cœur? Pourquoi ni moi si elle a séqué dans mon cœur? Sarah est sortie. Sarah Bimi? Non. Quel? Je n'ai pas ri. Dans la séquité. Il a fait sortir Dieu mentait. Abimi si t'as même mon cosi. Amen. Dieu pouvait la tuer ce même jour là. Il n'a pas compris pourquoi même au colombo quoi. Il ne pouvait pas la tuer. T'as compris que pour moi pourquoi? Pourquoi ni? C'est parce que. Pourquoi? Il avait fait l'alliance avec Abraham. Abraham. Amen. Et Sarah vivait sous l'alliance de son mari. Alléluia. Amen. Écoutez, Yoka, quand vous êtes là, vous Jésus ne peut pas nous laisser dans les châtres. Parce que nous vivons sous l'alliance de Jésus. Il faut que le Fils promis arrive. Le Fils promis, c'est ta bénédiction que l'ennemi a cachée. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu nous bénisse. Et que ça ne va pas pour la vie. Dieu te bénit. Ça va pas pour la yo. Dieu change ta vie. Abon gabon mon yo. Dieu te lève. Aton mon yo. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Oh t'as bien engagé. Est-ce que Jésus en a fait? Est-ce que Yeshua s'en est engagé? Alléluia. Amen. Amène-moi les sels. Bon mon engagé. Mon doigt. Le Seigneur a guéri. Il y avait un fou ici. Dégage mon tumeur qui vous m'a. J'ai prié pour des gens et le Seigneur m'a dit, prends seulement l'eau, jette-les sur la tête. Et je l'ai fait. La folie est partie. Et Dieu a guéri la main. Il y avait une femme qui était guérie la fois passée, elle est assise sur ma chaise, elle est guérie. Moi, c'est mon corps, elle m'a demandé de passer. Est-ce qu'elle dépasse? Amen. A dit que c'est bien beaucoup d'en bas. Jésus est réel. Jésus est solo. Jésus est réel. Jésus est solo. Comment est-ce que nous pouvons venir à l'église? Nous venons à l'église malade et puis nous sortons malades. Ce n'est pas possible. Nous venons avec des démons, nous sortons avec des démons. Ce n'est pas possible. Nous venons d'ici et nous sortons d'ici. À quoi c'est la puissance de Jésus? Écoutez. Je n'adore jamais un tel historique. Hein? Ce que Paul a fait dans son temps, je n'ai jamais vu ça. Ce sont des histoires. Tu faisais le miracle, tu étais là. Pourquoi crier? Oh, le Dieu de Paul, vois-moi. Non.
Non, il faut prier le Dieu qui était avec Paul. Il faut parler que Zamba Zaki la Paul, mon ami. Parce que le Dieu de Paul, c'est une histoire. Parce que Zamba Paul a commis des délits solo. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons le Dieu d'aujourd'hui. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Comme il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et il le fera le lendemain. Acclamez Jésus. Et tirailleur sur ma boîte, mettez ma boîte.